Dans cette œuvre, j'ai beaucoup apprécié la taille et la hauteur de l'œuvre, mais aussi il y a beaucoup d'espace à gauche et dessus, peut-être pour la taille d'un corps dansé. Très récemment, j'ai beaucoup travaillé sur l'orientalisme dans la musique et de la danse, et j'ai senti quelques échos dans cette œuvre en regardant le tableau ici, derrière moi. Le tableau est d'après une proposition entre des corps humains et des corps des animaux. Et comme chorégraphe et danseur, aussi j'ai proposé bien des poses qui viennent de yoga. On a toujours ces symboles et systèmes du monde des animaux. En ce cas ici, c'est reptilien, c'est très très reptilien. Et toujours les thèmes dans cette partie de l'art, de l'histoire de l'art, c'est entre la nature et les deux royaumes. On peut sentir que les combats entre les animaux et les humains, ou les humains et les différents gens de la Terre, c'est toujours très résonnant. J'ai beaucoup aussi apprécié la taille. C'est une des plus grandes œuvres que j'ai vues aujourd'hui dans le musée. Mais il y a aussi l'espace négatif autour de l'œuvre. Et ça, c'est très lié à la chorégraphie et à la danse aussi. C'est l'espace vide. Il y a toujours un paradoxe entre les formes de la danse et de la sculpture. La temporalité proposée en mouvement ou fixe. Et je crois que c'est un dialogue les uns les autres. Mais dans cette œuvre ici, normalement les animaux ou bien un crocodile comme ça, c'est par terre. Mais ici, c'est contre le mur et ça a beaucoup coupé le tableau et les règles et les angles aussi. Mais en la danse, en cette époque, arrière moi, on a beaucoup utilisé des figures et des tableaux des animaux pour animer le corps. Et je travaille pas mal avec l'animation aussi. Et je pense que les formes sont liées, paradoxalement, avec la temporalité proposée. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le banjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.